Quand j'ai lu le texte du pape François, j'ai été très impressionné par le foisonnement des images. C'est un texte qui est extrêmement poétique, c'est un texte qui donne beaucoup d'images, et je crois qu'en nous donnant des images ainsi, l'eau, le battement du cœur, les déserts intérieurs et autres images du même genre, eh bien le pape nous invite à travailler sur nos représentations de la création. Nous avons besoin de représentations nouvelles pour pouvoir prendre soin de cette maison commune. Souvent, nous sommes handicapés, empêchés par des représentations qui sont des représentations mécanistes, des représentations d'exploitation de la création. Et là, c'est une nouvelle manière de penser une création avec des images poétiques. Et en ce sens, le message du pape François est extrêmement inspirant. Comme vous le savez, tous les chrétiens sont invités à se convertir au Christ. La vie chrétienne est une entreprise de conversion et celui à qui nous devons nous convertir, c'est véritablement à Jésus qui est le Fils de Dieu, en qui nous avons été créés et qui a donné sa vie pour nous sur la croix, qui nous sauve. Voilà. Toute la vie chrétienne est donc une vie de conversion au Seigneur Jésus-Christ. Mais dans cette conversion au Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas oublier toute la création que lui nous a donnée et au milieu de laquelle, au sein de laquelle nous vivons, cette demeure commune que le Seigneur nous a donnée. Donc la conversion au Christ a une implication écologique. C'est dans ce sens-là que le pape Jean-Paul II, déjà dans une catéchèse en 2001, nous avait invité à une conversion écologique. Et d'ailleurs, le pape François, dans son message de cette année, nous invite à reprendre cette conversion écologique. Et il utilise l'expression qu'avait utilisée déjà saint Jean-Paul II. Donc, conversion au Christ implique une conversion écologique. C'est en ce sens-là que le souci, le soin de la maison commune fait partie du devoir des chrétiens. La prière que j'apprécie beaucoup, celle qui m'aide à vivre moi-même, c'est ce respect et cet honneur rendu aux différentes altérités, comme je l'ai expliqué, c'est le Veni Creator. L'Esprit-Saint est celui qui nous met en connexion les uns avec les autres. L'Esprit-Saint est celui qui nous aide à vivre chrétiennement toutes ces différents types d'altérité que le Seigneur a aussi mis partout dans la création et que nous sommes invités à honorer.